C'est toujours difficile de se projeter à l'avenir, déjà que le match du PSG pour l'instant n'existe pas, donc, et qu'il me semble, si je ne me trompe pas, qu'on a deux matchs à faire avant. Voilà, Strasbourg demain, ça sera difficile, très difficile, et puis à New York, ça sera un match entre deux équipes qui sont au même niveau à la 21e journée, donc ça veut tout dire. Donc, restons concentrés sur l'essentiel, je dirais, et le présent. Et le présent, c'est le match de Strasbourg. Est-ce que l'obstacle Strasbourg est encore un peu plus haut qu'il y a 10 jours avec une équipe qui a eu le temps d'engranger un peu plus de confiance en ce début d'année? Je ne sais pas du tout dans quel état d'esprit ils vont se déplacer. Moi, j'étais à Lyon pour les voir la semaine dernière. Bon, ils ont fait un très très bon match. À Toulouse, voilà, c'est une équipe aujourd'hui qui est en confiance, un gros potentiel offensif qui marque des buts. Maintenant, qui sont qualifiés pour la Coupe de la Ligue avec comme dernier qualifié Monaco-Bordeaux et Guingamp. Ils ont peut-être d'autres objectifs sur la Coupe de la Ligue, mais bon, après, c'est... Ça reste des compétiteurs comme tout le monde, ça reste un club qui est engagé dans la Coupe de France et qui voudra bien figurer. Donc je ne vois pas comment ils peuvent faire l'impasse sur le match de Grenoble. Maintenant, il y aura peut-être des rotations dans leur... comme nous hein, d'ailleurs, au demeurant. Mais il faut réfléchir aussi en tant que coach à l'équilibre de l'équipe et à la fraîcheur des troupes. Est-ce qu'on travaille différemment avant de jouer à une équipe de Ligue 1? Non, on observe un peu leur... leurs qualités, ils sont sixième aujourd'hui, donc c'est ça. Donc une équipe de qualité, on cherche aussi des failles, des points faibles, où est-ce qu'on peut leur faire mal, et où est-ce que nous, ils vont nous faire mal, donc qu'on puisse anticiper par rapport à tout ça, qu'on ne soit pas surpris. Mais globalement, c'est la même chose. Hein. Donc on joue une équipe de DH, une équipe de D1, ou de Ligue 1, pardon, de Ligue 2, je veux dire, à un moment donné, voilà, mais la valeur de l'adversaire fait que le match est différent, mais globalement, nous... c'est aussi important de bien préparer l'équipe du GF38, avant tout. On a retrouvé, je dirais, quand même des vertus contre le Havre. J'ai revisionné le match, franchement, les occasions qu'on a, les situations, les faits de jeu, les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps. Bon, on a retrouvé une équipe de Grenoble qui avait de l'allant, qui s'est créé pas mal d'occasions, qui a été performante sur coup de pied arrêté, malheureusement, là. On touche quand même trois ballons de la tête qui peuvent être transformés tout autant. Donc voilà, c'est des choses positives aussi pour nous. C'est important de travailler aussi là-dessus. Et peut-être l'efficacité qui manque encore un petit peu. Et dans le match qui vous attend demain, c'est manifeste. Ouais. Et la différence entre l'équipe de Ligue 1 et Ligue 2, c'est que l'équipe de Ligue 1, en règle générale, n'a pas besoin de trois situations pour transformer, ou trois occasions pour transformer un but, donc pour marquer un but. Donc nous, actuellement, on est en recherche d'efficacité, même si, paradoxalement, et par rapport à d'autres matchs qu'on a gagnés, je pense à Clermont, je pense à Niort en début de saison, je pense à je sais pas, à Ajaccio, c'est un match contre le Havre, on a peut-être deux ou trois fois plus de situations ou d'occasions de but. Et je répète, contre Auxerre et le Havre, on a tranquillement mis 10 occasions nettes. Quand je dis nettes, c'est des occasions de marquer, vraiment. Donc, on va pas s'énerver avec ça, c'est un constat qu'on fait, c'est toujours délicat, mais... Mais il faut continuer dans ce sens. Offensivement, j'ai trouvé contre le Havre, ce qu'on a fait, c'était plutôt bien. Le fait de connaître son adversaire, je reviens là-dessus, c'est perturbant, puis c'est anecdotique. Vous savez, il s'agit du PSG, quoi. Donc, Franchement, entre les deux, il y a eu le match du Havre. On prépare déjà, parce qu'il faut bien qu'on anticipe, sur l'aspect vidéo, coup de pied arrêté, le match junior. Franchement, moi, je tire un coup de chapeau à mes adjoints. Hein. Parce que bon, voilà, il y en a tout à l'heure qui nous a dit que Donaendo sur corner, etc. Donc, le gars, il est dans le match junior parce qu'on est obligé d'anticiper. Donc, c'est pas perturbant, mais il faut s'y retrouver. Je dirais même qu'après le match du Havre, on se demandait l'opportunité de repasser par exemple une vidéo sur l'adversaire, sur Strasbourg, en se disant on l'a vu il y a 10 jours. Mais franchement, même moi, j'ai besoin de la revoir. Quoi. Donc, on prépare ce match comme si on n'avait pas déjà préparé. Je pense qu'il y aura une autre équipe aussi de Strasbourg que peut-être celle qu'on a vue sur les deux dernières journées. Parce que voilà, il y a des choses à faire certainement pour eux aussi. On verra bien, on va s'adapter. Est-ce qu'il y aura une autre équipe de Grenoble que celle qu'on a vue contre le Havre? Est-ce que la tendance est plus de faire tourner vu qu'il y a trois matchs dans la semaine ou... J'aimerais bien. Après, il y a des secteurs où on est un petit peu démunis quand même, sur le milieu de terrain, avec l'absence de Jesse, l'absence de Julien. Ces deux garçons qui manquent pour pouvoir faire tourner efficacement sur mon milieu de terrain. Si on veut garder un air équilibré, une équipe qui est capable de gratter des ballons dans ce secteur de jeu, il ne faut pas qu'on se dépeuple trop.
Donc voilà, donc après sur l'aspect offensif, je pense qu'on a pas mal de solutions. Mais bon, dans mon esprit, moi, c'est attaquer le match de Strasbourg avec la meilleure équipe, voilà, point. Et après, on verra comment ça se danse à Niort, on s'adaptera, parce qu'autrement, entre le marteau et l'enclume, c'est pas bon, ça, mi-figue, mi-raisin, c'est jamais très très bien. Donc voilà, préparer ce match, on verra, jeudi, on fera le point, et on verra pour Niort comment ça va se danser. Compte tenu de votre parcours en championnat, sur un match de Coupe de France, ça peut être que du bonus, vous n'avez rien à perdre. Bon, surtout sur ce match-là, je veux dire, on est, je répète, challenger. On est outsider, on n'est pas favori, même si on joue chez nous. Et on va jouer une des équipes de Ligue 1 qui est dans le premier tiers du tableau. Donc c'est une très très belle affiche pour nous. Moi j'étais vraiment content du tirage, plutôt que d'aller jouer à perpète sur des terrains pourris dans des vrais matchs pièges. Donc voilà, on a de quoi faire un vrai bon match de football, même si je pense qu'on va quand même un peu courir après le ballon. Il faut aussi que nous, on soit capable de saisir notre chance. Et je pense que cette équipe de Strasbourg aura largement les capacités à nous bousculer. J'espère qu'on aura aussi la possibilité de le faire, hein, de les pousser aussi dans leurs difficultés, dans leur retranchement. Voilà. Si on peut éviter une prolongation, je pense que pour les deux équipes, ce serait bénéfique. Mais bon, on n'a pas la prétention, ni l'un ni l'autre, je pense, de pouvoir choisir. Donc,